Libre sur le web. Bienvenue les amis sur Radio Mahalif, on vous avait euh, proposé cette semaine un, un podcast déprimant suite à Maroc-Argentine. Et ben pour se rattraper la même semaine, voici un, un podcast glorieux, plein de joie. Parce que le Raja est super champion d'Afrique, euh, match maîtrisé de bout en bout, 2-1 à Doha contre l'espérance sportive. Serge avec nous pour fêter ça, euh, par un podcast plein de bonne humeur, notre spécialiste <rire> permanent, Hatim jardor Mahvebik. Merci, Reda, et félicitations. Quelle bonne mine. Ah oui. Et on a un invité spécial, Emad Ardol, qui est membre du comité, donc, euh, qui est un peu plus qu'un simple témoin ou consultant. Je suis un acteur de cette, cette équipe. Merci, je suis très heureux d'être ici, et puis, euh, c'est une très, très belle occasion de vous rencontrer et de venir au, à Radio arif pour fêter avec vous cette belle victoire. Alors, comment tu as vécu ce match déjà comment, comment on vit un match comme ça quand on est directement impliqué par rapport aux simples spectateurs, aux supporters Alors, pour commencer, moi je suis effectivement un simple supporter et spectateur du Raja. Je suis tu as le de l'équipe je suis j'ai j'ai checké mais bon j'ai pas, pas euh, c'est pas pareil non exactement mais c'est pas c'est un concours de circonstances euh, par lequel je me suis retrouvé dans cette, cette fonction même si je suis expert comptable dans la vraie vie mais quand on est Raja oui on est amoureux du Raja et on perd tous nos moyens quand on est amoureux du Raja et euh, cette journée était très très dure pour nous il fallait la gagner cette coupe et euh, c'était un big big stress vraiment pour euh, démarrer la journée, euh, même si c'est un processus qui a démarré depuis un bon moment, depuis moins d'un an, le Raja avait besoin d'un nouveau souffle, d'espoir, de gens qui, qui sont capables de venir euh, l'aider, de, de, de structurer, de, 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 de titres aussi, hein. de, de titre exactement. De titre. Le Raja ne veut pas rester sans titre de, euh, plus que d'un an, et, 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 et le Raja est resté sans titre depuis plus de dix ans. Donc, euh, on, on, on est arrivé... Non, pas dix ans quand même. 15 ans. Ah, Soit tu parles d'Afrique Ah d'accord, on parle d'Afrique. Ouais, Raja, par Raja c'est l'Afrique. Ouais. Il, il, il fallait un, un nouveau souffle, mais il valait aussi une vision, une façon de voir les choses qui est différente. Pour arrêter avec les, les histoires de... de, de non, c'est bureau, nouveau bureau, ancien président, nouveau président. Euh, le Raja a un peuple, comme le disait Oscar Lermon. Les équipes ont un public et le Raja a un peuple. Et comment tu as vécu en tant que donc tu, tu nous expliques que tu as vécu ce match comme un simple membre de ce peuple. Mais comment tu as vécu ce match Est-ce que peux, le je peux te témoigner ça Ouais, vas-y raconte. Ah, je peux te témoigner parce que j'ai regardé le match avec lui. Tu peux témoigner surtout c'est en fait. ah, ouais. ce que tu n'as pas <laughs> non, vu. Non, non, aujourd'hui l'avantage. Euh, euh, aujourd'hui, aujourd'hui, ouais. aujourd je vais pas être le spécialiste, mais aujourd'hui je vais je vais être à côté de toi, et en fait je vais poser des questions aussi à. <laughs> vas-y, vas-y. <laughs> mais en fait, j'ai 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 vu le match avec lui. Ouais, c'est vrai qu'il est un membre du comité, mais j'ai vu un, un, supporter, un rajawi un, un verre qui, 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 flippait et, et quand on a marqué des buts, il a fêté comme pas possible et quand on a encaissé, c'était, c'était, aujourd'hui, aujourd'hui, tu as, tu as, vu cette, tu as vu cette finale à la maison, chez toi, je pense. Okay. Euh, la finale contre, à Kinshasa, tu étais sur place. Ah à Kinshasa, j'étais sur place. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les aventures que tu as vécues à Kinshasa? Kinshasa, c'était. Ah, tu peux y aller en entre nous. Entre nous, on est entre nous. Et en dehors de toute diplomatie africaine du pays, c'était un combat de gladiator. Ramener la coupe de Kinshasa, c'est comme si on l'avait arrachée de chez des gens qui, qui qui la voulaient. J'ai l'impression, pour une fois dans ma vie, je, je travaille, je fais des projets tous les jours et je me bats. Et se battre pour le Raja euh, à l'échelle du continent, c'était incroyable. Un autre combat. Un autre combat. Mais c par avait... quoi Ça s'est manifesté. Ça s'est manifesté depuis. Enfin, la fédération. Euh, Quelle fédération La fédération royale marocaine de football mm -hmm. qui nous a aidés. Euh, L'ambassade, la RAM. Euh, les flics de, du Congo qui étaient avec nous. Quand on est arrivé là-bas et, et, les, et les gens, comment ils étaient hostiles au Raja, au Maroc, euh, euh, ils voulaient cette coupe parce que, bon, sportivement parlant, c'était une bataille qu'il fallait gagner, il fallait la gagner. On l'a gagnée, on l'a ramené les joueurs ils l'ont gagnée sur le terrain. Mais s'est manifesté concrètement, par exemple, dans, dans les vestiaires d'après match ah, Ça euh... s'est concrétisé juste pendant les trois quatre jours où on était au Congo. C'était euh, accueil favorable. Tout était parfait parce que c'était la diplomatie, etc. Ça se passait très, très bien. À partir des de, de, deux, trois heures avant le match, ça s'est transformé en hostilité. C'était un enfer. Et il fallait juste y croire et continuer et se dire que, voilà, quand on jouait au foot, moi, j'ai joué au foot quand j'étais gamin. Quand on jouait contre, euh, j'étais à Koneitra, on jouait à Khamisat. Il fallait aller se battre à Khmissat pour gagner. C'était comme ça. C'est une évidence. C'est pour nous, pour les joueurs, les joueurs, ils étaient même pas perturbés par ça. C'est ça ce que j'admire les joueurs du Raja. C'est quand, quand on te dit oui, mais les joueurs du Raja sont habitués, etc. Les joueurs du Raja étaient focalisés. Nous, on était déstabilisés, mais eux, ils étaient juste concentrés sur ce match. Après le match, je crois qu'il y a eu des échauffourées dans, dans les couloirs. dans oui. le Bon, après, c'est des détails, c'est un peu de jeu de provocation pour dire vous n'avez pas le droit de, de festoyer, nous, on avait envie de faire la fête, c'est normal, avec nos supporters, avec les joueurs. Mais bon, pour moi, c'est un détail qui qui, qui, qui mérite pas. Bon, on, 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 au sein du comité, on a décidé de ne pas communiquer là-dessus. Là c'est un détail, on a gagné, on a remporté le truc. Bon, après, c'est l'Afrique, les gars n'étaient pas contents qu'on festoie de, devant eux. Bon, pas grave. L'histoire euh, passe. passe. On passe. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, euh, euh, moi j'ai une question voilà déjà euh, si je te demande honnêtement euh, de nous répondre à cette question. Est-ce que de l'autre côté, parce qu'on a l'habitude de critiquer les autres, on ne sait pas très bien comment euh, si on déplace la caméra, on va juger euh, l'accueil que font les clubs marocains euh, chez nous à bon Vita Club ou à un autre. Ouais. Est-ce est que pour toi, en essayant d'être objectif, euh, on est plus correct que ça Franchement Ouais franchement, ouais, est... on est très correct. De préférence, <laughs> franchement, on est très correct. Franchement, même à je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis un, un, un... avant d'être membre du comité, je suis un supporter. Donc, je suis un, un... On, on me taxe d'être l'ultra du comité. <laughs> D'accord. Mais même quand on a envie de de de, de de mettre un peu de pression sur l'équipe adverse, à un, un, un comité deux. Euh, J'espère que c'est vrai. Parce que non, non, Si c'est la langue de voix, c'est pas du tout ça. La, la, la radio, 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 radio C'est que, que on a, on a, on a même, même quand on veut, parce que, on a eu, eu Enyemba. Enyemba, ils nous ont quand même maltraité. Plus que la S-Vita Club. Enyemba, le bus n'est pas arrivé. On a roulé pendant 200 km avec une, une camionnette qui s'arrêtait chaque 15 minutes. Et on est parti les gagner là-bas, De 1 Donc, euh, quand on est revenu, on a eu des, des, des instructions de la part du président, de la part des membres du comité, de dire attendez, on les traite bien. Donc c'est une ligne de conduite. Tu, ben ce non. que tu sais pas, ce que tu sais pas, Ahmed, c'est qu'on va faire le même podcast au Nigeria. Moi, moi j'ai envie de, de poser une question à Ahmed et. Ben pense, dit, euh, euh, hatim oh et Dardari. Imad, aujourd'hui, ben, en fait, tu étais au comité provisoire euh, qui est arrivé en Raja. On a on a démarré le 13 avril. Le 13 avril. Et après 2010, il y a eu 2018. le passage en comité, comité définitif ou le 13, le 13 septembre. Le 13 septembre. 2018. J'ai entendu parler. en fait, quand vous avez pris comme comité déf définitif de, de, du club du Raja, vous avez annoncé que longue, vous, avez, question, hein. vous avez des objectifs. <laughs> non, non. En fait, c'est je parle en, en termes d'objectifs. Vous avez parlé que au moins vous allez gagner deux titres. Je pense qu'aujourd'hui c'est le cas. Est-ce que pour vous euh, les objectifs sont atteints ou il euh, y a d'autres choses à espérer de, de cette de, saison, de cette saison-là même si elle était longue, c'est une très bonne question. Ah oui, exactement. Bon. Non, j'ai pris mon temps. Bon, franchement, en arrivant, en Raja, en avril 2017, 2018, pardon, on, on se disait comment on va sauver le club pour qu'il n'y ait plus de crise cardiaque. Donc, quand on a commencé à travailler. Quand on a commencé à, à identifier le nombre de procès que nous avons, le nombre de litiges que nous avons, le nombre de problèmes que nous avons, parce qu'il n'y avait pas de base documentaire, il n'y avait pas. Je parle de gestion parce que les gens ils s'en foutent de la gestion parce que le résultat c'est sur le terrain. Je comprends parce que moi je suis moi aussi je suis fan du Raja, donc je m'en fous moi de ce qui se passe dans les coulisses. Le problème c'est que quand tu dis bon ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, euh, ce club il en est où ah, Tu à dix mille. Lieu d'imaginer que neuf mois après, tu allais gagner deux titres. il y a un objectif, des la coupe de la CAF, une au le Botola, ou la tout le monde dit comment on va faire juste pour honorer les engagements, pour payer les joueurs, pour que les joueurs soient payés, pour payer les salariés du club, pour avancer. Et aujourd'hui, on en est là. C'est que ce club il, est, il dépasse ceux qui le gèrent, il dépasse ceux qui le supportent. Les joueurs aujourd'hui qui jouent dans le raja, c'est ceux qui étaient dans, dans l'école, peut-être ça fait 4 ou 5 ans, ou 6 ans. Mais ils, ils nous dépassent tous parce qu'ils aiment le raja plus que nous. Est-ce que, est -ce que tu, tu as parlé des joueurs Est-ce que tu, tu, tu as envie d'en distinguer certains qui ont un rôle prépondérant dans, dans le fait de maintenir une équipe sur les rails malgré les, les, les crises qui sont succédées pendant des, des mois et des mois Oui, moi je vais dire euh, euh, un mot. Euh, Peut-être beaucoup de gens aujourd'hui sur les réseaux sociaux, etc., ne vont pas aimer ce que je vais dire. Mais Ben Benoun, c'est un grand capitaine. Ah, je l'ai vu, je l'ai vu, Au raja ou le raja, qui le raja, avec... Les gens, ils l'ont vu mal se comporter peut-être sur un terrain de alors c'est par amour du raja. Et ce mec-là, il est discipliné. C'est un gars hyper, hyper concentré, focusé. Il veut faire des choses, il veut avancer. Et je l'ai vu dans le vestiaire, je l'ai vu, je l'ai vu après l'étoile sportive du Sahel. Je l'ai vu les jours qu'ils étaient abattus. Le seul qui s'est levé, il y avait Garrido à l'époque. Il s'est levé, il a dit, les gars, on peut aller gagner Parce qu'il y a eu à y beaucoup un, un grand débat par rapport à par rapport à Badr sur, sur sa, en fait, sa, sa discipline euh, au terrain et il y avait beaucoup de personnes qui disaient que Badr avec toutes ses défaillances et on a vu ses, ses réactions, mais c'est un vrai leader du groupe. C'est un vrai est -ce leader. Est-ce que c'est est, est le cas. Badr, c'est un vrai leader. Badr, c'est un vrai leader qui sait se faire respecter, qui est respectueux des autres, qui est respectueux de, de la hiérarchie, qui est respectueux de son coach, qui est respectueux de l'adjoint du coach. C'est un, un amoureux du raja. Lui, tu le, tu le vois, tu le sens, et tu sais que le gars, quand il parle. Il parle au nom du Raja. Il veut que le Raja soit meilleur. -ce que que au meilleur. Est-ce que tu top. as d'autres joueurs que tu as envie de distinguer Alors, on, on, Parce que Badr Benoît, en plus, il s'est distingué aujourd'hui. Il marque le but de la ouais. de victoire, un but de vrai avant-centre. Et ça. je suis très heureux. Dos au but par une talonnade. <laughs> Est-ce que tu as d'autres joueurs que, dont tu as envie de parler Anas Niti. Anas Niti, euh, il est. C'est le. C'est le. Comment dire C'est le gardien de but. Gardien but. <laughs> Merci. c'est le c'est lui quand tout le monde s'énerve. il est toujours calme. Il s'énerve ces moments, mais le NS, il est toujours là. C'est toujours effectivement gardien de but. Il est gardien de, 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 de ce qui se passe. Quand ça se passe mal, c'est Ennès qui sauve qui sauve tout le monde. Et Shakir Shakir il est là. C'est est le gars qui qui qui, qui est discret, mais il est, il est toujours là pour, pour parler aux joueurs, pour être le grand frère, etc. Est-ce qu'on peut dire deux mots de Ben Halib qui a défrayé la chronique par. Non, mais c'est vrai, tout le monde est d'accord sur son talent, mais il y a une grosse, grosse, grosse question qui se pose sur sa capacité à, à, à s'intégrer dans un collectif de haut niveau. Est-ce que toi, en tant que. Que, que membre du comité qui est proche de, de, de l'effectif, comment, comment tu, tu juges ce, ce talent quoi enfin, qu'est-ce que Ben Halib, c'est un pur produit de l'école du Raja. Il a un avenir extraordinaire. C'est un gars qui a, qui a un caractère qui est particulier. Où est Qui a beaucoup de talent. Il a beaucoup de talent. Ah ben, qu'est-ce que je peux dire de plus Moi je l'adore ce joueur quand je le vois jouer. Il est c'est le parallèle je peux le faire avec Soares, qui a mordu un, un joueur. Euh... Euh, euh, pendant une coupe du monde euh... est-ce que, est que, est que tu as des anecdotes sympas à nous raconter sur la vie du groupe <laughs> euh, là ça va être, ça va être euh, le secret. Euh... Du... <laughs> non non mais on va pas lui demander. Non, <laughs> enfin moi j'ai une anecdote c'est Sfri, qui est un grand joueur discipliné, il a joué à Coventry, il a joué euh, joueur il était international, il a joué nationale, il était capitaine, Sfri, Norwich pardon. Et qui me dit de temps en temps j'ai juste une seule envie remettre le maillot jouer avec ce groupe c'est un groupe extraordinaire ah, à ce point, sachant que que Sfri est passé par une période où ah, Raja avec des grands joueurs. c'était l'époque où Raja euh, top du top le jour quand j'ai envie juste de remettre le maillot où je rejoue avec eux ils sont solidaires son c'est qui c'est qui le l'animateur du 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 c'est qui le clown du groupe <laughs> ça c'est c'est facile rafque et et en même temps c'est l'animateur du groupe ils sont ils sont ils sont c'est 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 un groupe qui qui est qui qui Très, très, très particuliers. Ils sont très solidaires. Ahmed bon tu nous fais la, 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 la RTM version. version euh, la, 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 ça va, <laughs> ça ça. ça. Raconte-nous raconte un truc drôle, là. On veut, on veut savoir. <laughs> on, veut, on veut avoir des, des anecdotes, là. Euh, et, et quelque chose que personne n'a vu. Le jour de, de la remise des médailles. La coupe, de la, CAF. De la coupe de la CAF. On était en terrain hostile. Les Congolais, ils avaient le contrôle de, et de la CAF et de tout ce qui devait se passer dans, dans cette finale. Et un jour, euh, qui est notre buteur du championnat et buteur de, de l'équipe, il a viré un carton rouge, euh, euh, à, à, à Casablanca. Ouais. Et ouais. le carton rouge qu'il avait pris, c'était parce que il a donné un coup de tête à, à, au gardien, gardien de Vita Club. Au gardien de Vita Club. C'était un, bon, c'était malheureux, c'est pas grave. Bref, nous, on voulait le protéger, il a mis une casquette le jour de la finale pour qu'il soit pas reconnu. Il était avec nous, membre du comité, on était dans un endroit, on était un peu, un peu agressé par le public, etc. Donc il était avec moi, à côté de moi. Au moment de la remise des prix, tous les membres du comité ne pouvaient pas descendre, même si on avait des, des badges All Access. Et les joueurs, ils C'est pour ça que je dis, c'est une grande famille. Et les mecs, ils ont dit, on prend pas la coupe, on prend pas la médaille tant que jour ne descend pas. Donc, il y avait Ahmed, Ahmed, tous les membres de la CAF, ils attendaient que Yajour descendent et un jour, bon, réflexe normal, il voulait descendre, il fait, il enjambe euh, la barrière, à la, barrière, la, barrière la barrière, il passe comme nature, ça, il touche quoi. nature, normal, il touche un Congolais sur l'épaule Congolais avec avec un costume, il se retourne, il voit un Marocain qui le touche avec son pied, il le tape. Et un jour, il avait un bras à droite et l'autre bras libre à gauche, il le frappe avec <laughs> la main gauche. un crochet du gauche, un crochet <laughs> du gauche. Et là, on voit tous les Congolais qui se jettent sur lui. nous on le récupère. Sachant qu'il a, a, a attendu pour avoir la, la coupe. A, <laughs> et tout le monde attendait en bas. Il y avait les caméras, Bin sports etc. Et le gars, il te dit, mais naturellement, le mec, il m'a tapé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dis, non, tu n'as rien à faire, c'est pas grave. On descend, on a réglé le problème, et il est descendu, il a, il a, il a, il a pris la coupe. Ce que, ce que je vois, moi, je, je suis un supporter du Raja. Je, je, suis, je suis arrivé dans, dans le comité, ça fait un an, je connais pas. Hein. Je suis pas un grand dirigeant de football national, etc. Mais tout ce que je peux dire, c'est que j'assiste, je vois, des, des, jeunes, tout ce qu'on peut dire de mal, du de truc, de c'est faux. Les jeunes, ils sont, euh, tous, ils finissent, ils sont en selfie avec leurs enfants, ou leur femme, à ouais, la parce, fin... que, parce que, oh ouais, c'est un, un point très important, parce que, parce que, vis-à-vis -vis du grand public, on parle toujours de l'indiscipline des joueurs. Donc tu peux tes, tes, testifier de, depuis 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 quoi de, de, depuis depuis que, que, de ce qui se passe dans les vestiaires non, non, de Kinshasa. Pas, non, non 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 je parle pas de, des, non non je parle pas des vestiaires de Kinshasa ou ailleurs. C'est je parle un petit peu des réseaux sociaux quand on parle de l'indiscipline des joueurs de de, de 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 leur de leur hygiène de vie de leur de leur comportement. Et, et, et c'est ça ce que je voudrais demander à Imed parce que imed il est plus proche à ces joueurs là et donner un petit peu l'image par rapport à ce, à ce groupe et pas et pas un joueur aujourd'hui euh, qui, qui, qui va finir un match et qui va vouloir sortir faire la fête. Oh, oui, lui, wa lui je sais pas. Est il Mais moi ai assisté, j'ai assisté en Tunisie par exemple. Euh, à, à contre l'étoile, bon, c'est vrai qu'on a été éliminé, mais on a gagné, on a gagné l'étoile. Le coach leur a donné quartier libre, quartier libre. Les gars, qu'est-ce que vous voulez faire Ils sont regardés. Chacun était en, en FaceTime avec ses enfants. Ils sont rentrés et ils ont joué euh, Tooty, ils ont joué Carta, ils ont joué euh, oh, PlayStation. Mais, machin, bien sûr, s'ils si avaient fait autre chose, tu nous l'aurais dit. Oui, <laughs> non, <laughs> ouais, okay. non, mais moi, moi, j'aurais bien aimé qu'ils fassent autre chose. <laughs> Merci beaucoup, euh, Ahmed. Merci beaucoup. Merci, merci, merci beaucoup. Tu reviens merci. quand tu veux. Merci. On va faire une pause. C'était Ahmed Ador qui est le trésorier. Dernière question. Tiens, tu vas recevoir un gros chèque après cette, cette victoire. On va recevoir un petit chèque. Chalfé. <laughs> euh, 200 000 dollars. D'accord. Ça va être un problème. Ça, ça va régler pour... pas mal de problèmes. Écoute. Donc 2 millions euh, dirhams. 2 millions dirhams, euh, On en va... On a, sur les finances, on, on, a, on a encore des challenges, mais on va y arriver. Euh, le, le, le club, il est en train de, de s'en sortir. Avec de, de la bonne gouvernance, on va y arriver. et Les sponsors nous font confiance. Euh, on a des recettes qui vont arriver. Et puis, bon, euh, moi, je suis très positif par rapport à l'avenir, la, à Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. On fait une pause. Vous écoutez Radio Marif. Deuxième partie du podcast de Radio spécial euh, Super Supercoupe d'Afrique, victoire du Raja 2-1 à uh, Doha contre Tsaraji, l'espérance sportive de Tunis. Euh, maintenant, on, on a opéré un changement pendant la pause, sortie du euh, milieu de terrain, on peut dire, milieu de terrain et euh, <laughs> entrée du voltigeur de l'aile gauche, j'ai nommé Mehdi Zekraoui. Salut Mehdi Salut Reda, salut Hatim, salut les amis et merci encore une fois pour l'invitation. Et Hatim est toujours là, lui c'est le C'est Reda, tu vas arrêter un certain moment avec ce, <laughs> ce spécialiste de tout. <laughs> mais c'est vrai, Hatim qui t'kreme le studio. Que j'ai mal matériel. alors les gars, comment vous avez vécu cette finale Moi moi je moi je vais vous dire en vérité euh, peut-être c'est arrogant, peut-être c'est illogique, peut-être c'est euh, comment dire, ça manque de lucidité, mais j'ai jamais douté. Voilà, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de danger venant de Thaïlande, ce qui est bizarre parce que c'est quand même une équipe qui fait peur en termes d'expérience africaine. Et je dis que dans la Ligue des Champions, donc normalement, ça doit être au-dessus de la Coupe de la CAF. Mais sur le déroulé du match, on n'a on, on jamais, jamais vraiment senti une, 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 un gros danger, m'a dit. Suis -tu euh, je suis d'accord, non Je ne suis pas d'accord. C'est très bien. Ça ça commence. Commence bien. Donc j'avais peur du match. A... Non mais, mais, non, mais, mais sur la question le match. que je voulais poser à Reda c'était avant match non, ou sur... pendant le match Non sur le match sur le match. on a maîtrisé. On voilà. a maîtrisé d'ailleurs. Mais c'est euh... rare en championnat on n'arrive pas à maîtriser bah oui, d'ailleurs, c'est pour ça que l'Ajax me loul. a comme tu dis, c'est quand même ce c'est pas rien. Bah oui. euh, on parle bien sûr de l'état actuel. Bien sûr C'est un tardi modo... qui n'a pas perdu depuis la finale allez non la finale aller contre elle ah 16 matchs 16 euh, 19 matchs 19 non excusez-moi sur le on a vu Tharji, Tharji a été a été mené au score disons pendant à peu près trois quarts du match disons puisqu'on m'a, je pense à la 22e minute euh, ils égalisent ils reprennent un but tout de suite après sur sur corner mais est-ce que vous avez senti une grosse pression de sur Tharji sur le jeu c'est le premier quart d'heure de la deuxième ouais. mi-temps à part ça c'était un match euh, maîtrisé par Raj. Je pense, je pense que même, même les derniers dix minutes de la première mi-temps, au Tsaraji a essayé un petit peu de d'égaliser. voyait un Raja qui était très solide et qui maîtrisait même défensivement. Moi, je vais aller même plus très loin. Hein, Peut-être que c'est de l'arrogance, mais moi, j'ai l'impression qu'après l'égalisation magnifique d'ailleurs de Tzargi, euh Raja a mis un coup d'accélérateur et, et, ah, oui, et oui, repassé devant oui, très vite. Donc on voit ça. avec le cardolet. Ça y euh, première mi-temps, Raja deuxième mi-temps de l'eau mal la rentrée ça a un peu changé les choses oui, égalisation oui, est vrai, chargée ouais. après abtani abtani euh, contrôle maîtrise de rage. totale du Raja totale en fait on et, va va pas dire que c'est mais c'est peut-être de l'inconscience mais je me sentais plus proche d'un 3-1 que d'un 2-2 ah oui, oui mais, mais mais on voyait on voyait une maîtrise totale du match c'est-à-dire que euh, je vais pas bon je suis Raja, oui, je suis un petit peu euphorique mais on voyait que le rajah était largement supérieur au... Il, a... il faut dire, Tony, qu'on s'entendait pas à ça. On s'attendait qu'on une grosse pression. On dit que Tsarji, on on que je rajah le match. Ou à qui a fait, qui retour. Mais il Diel, les Diel, les Diel, les qui peu le premier retour. Mais un entraîneur du Raja, parce que je ne parle pas seulement de Carteran, ah, même, ouais. même Garrido, même C'est le premier match où il a l'effectif au complet. complet, parce que même la, la fameuse finale contre Vita Club, aller-retour, on n'avait pas l'effectif au complet, parce que bon, c'est vrai qu'on n'avait pas Nga, mais on avait l'arrière gauche, euh, c'était qui a Jbira euh, qui était blessé, et c'était Boutaïb qui, 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 qui a joué comme arrière gauche, et chacun qui a joué comme arrière droit. Aujourd'hui, c'est en fait, c'est la première occasion. Ou un entraîneur du Raja pendant ces seize ans à l'effectif au complet. Abtahi, il faut dire que Bonne Roma. Bonne Roma. Non, c'est vrai. Non, mais à part si on oublie Jbira. Jbira manque toujours. Oui, oui. Mais il manque presque de tout le De ce qu'on l'a oublié. Et d'ailleurs, on a ramené un remplaçant à Jbira. Exactement. Kinga, Ce que je voulais dire encore, c'est que je ne comprends pas pourquoi les n'ont pas pressé Mlou. Après, je, je sais pas. Parfois, tous les Tunisiens, -ce mais c'est ce qu'ils veulent faire dans, dans -ce un que, match. Est-ce que ce c'est pas que, que... que... lorsqu'ils ont voulu attaquer l'Ehlif, le final de la Champions League, ouais, la oui. Oui, 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 mais 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 mais, mais, mais te... c'est ça ma question. C'est ça ma question. Est-ce que Raja n'a pas pressé encore plus fort Parce qu'on voyait que Raja. J'ai pas l'impression, moi, j'ai trouvé que c'était un match à basse intensité. Exactement. On est allé regarder non, sur. Non, mais euh, au début on a sorti nos téléphones. J'étais avec Hamza et on a sorti nos téléphones pour connaître la température à Doha. Non, la te température elle, elle n'était pas normal. très élevée. Oh oui. Parce qu'à un moment, j'ai imaginé qu'ils étaient écrasés par la chaleur, tellement j'ai trouvé que le, le match était un peu anesthésié, comme ça. Ce qui arrangeait Raja, parce qu'il était mené au score. Ouais, déjà, le fait de jouer à Doha, ça arrangeait Raja. Normalement, non, tu joues L'habitude, c'est que le. Euh... Oui, donc déjà, ça Raja. Et tant mieux. Euh, c'est tant mieux pour nous. Après, euh, après je ne m'attendais pas à ça. Mais bon, euh, ça montre encore une fois que, 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 que Headley Fixif les pas Raja. Lorsqu'ils veulent sortir des gros matchs, ils peuvent le faire. Et c'est quelque chose que ce club a. C'est-à-dire que tu as la, 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 la capacité, je ne sais pas, euh, en fait, euh, très, très souvent du, 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 du grand jour sortir un, un grand match. Individuellement et même collectivement, si on prend joueur par joueur, on a des, des, des joueurs qui sont... Je vais pas dire dans le on va dire dans le top 3 ou le top 5 africain. Alors pourquoi Alors pourquoi tu me dis ça maintenant et dans 20 minutes je vais te trouver toi ou d'autres dans les réseaux sociaux en train de dire il nous faut des recrutements, des renforcements, des Non. Donc c'est quoi le truc Non mais il y a un point très important parce que moi j'ai regardé le match avec Mehdi et à un certain moment on disait qui se trouvait au bon touche là on demandait un remplacement tu bon avais Yajor. tu avais jarge tu avais nene ah. tu avais ni un militaire ah. tu avais jebron ouais et euh, et, et dwick ouais bah, c'est pas mal oui c'est c'est pas mal oui mais c'est 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 ben pff, c et, c et, bois amira mela, bois non en fait en fait je pense que 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 pour 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 le championnat pour la caf oui, il faut le dire. On a un effectif qui est largement supérieur à par, par rapport aux, aux adversaires. Euh, si on espère à quelque chose de plus, c'est-à-dire la Champions League, il faut renforcer un petit peu. Qui est le héros du match pour toi, Amedi euh, S'il y, y a des joueurs qui devraient sortir du lot, ce serait qui euh, Je crois que Javide a fait un très bon match. Il a, il a sorti de très très beaux ballons. Euh, d'ailleurs euh, la première a euh, dit que les 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 face à face c'était 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 un très beau ballon après moi je mettrais beaucoup plus l'ensemble le, Mais le groupe كامل le groupe كامل était très solidaire ils étaient très concentrés très bien en place sais, mais vraiment, vraiment vraiment on a c'est un match sérieux ouais. euh, exactement c'est un moi, match très sérieux moi moi me dis c'est vrai que le collectif était était excellent mais je sortirais trois joueurs pour moi c'est pour moi, était, était au top. Je dirais mm -hmm. et Benoun et nous ont bah en fait comme supporter et même pour, pour les autres, pour, pour les joueurs et, et c'était une confiance de, de dire euh, en fait euh, en défense ah, est on, est le, là, le on est de, là le est de a oui beaucoup, de a, a, a beaucoup changé, oui, mais, mais, a beaucoup mais, changé. Mais, mais, mais tu peux pas quand même parler de ce match sans parler de la prestation d'un gamin qui est Wardi ah oui non, mais mais m'a dit, mais dit tu, tu sens mon cœur c'est bah, la, la prestation de la était aussi oh, très correct. Ouais, ouais. Euh, non, c'était non, un collectif euh, c'était un collectif co euh, Zniti sur beaucoup de ballons aériens hein, qui, 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 qui sont toujours nos points faibles contre, contre les équipes tunisiennes Zniti Zama sur beaucoup de ballons les sorties d'héros étaient Zama dangereuses mais qui de quoi c'est vrai, vrai. Ah. et, et, et ça, ça Zama ça calme tout simple et ça calme dans les deux quand, hein. Zniti, Zniti ce que tout le monde lui reproche c'est pas ses réflexes sur sa ligne c'est parfois des sorties kamikazes. exactement alors voilà. que tu, tu arrives tout... à gommer ce défaut de son jeu c'est un excellent gardien ah, il est sorti plusieurs fois mais, 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 mais c'est sorti parfois parce que Zniti, Zniti, c'est un petit peu, euh, je vais exagérer un petit peu, mais c'est le Neuer de, de la botola marocaine. Parce qu'il donne. On va le non, mettre non, en générique. Ça me là de côté, c'est là. Ah, Exactement. Voilà. voilà, voilà. Pourquoi ah, que je vais ah, exagérer un peu. Exagérer un ah, peu. Si tu exagères non, beaucoup qu'est-ce que tu vas dire? <laughs> je dis le Neuer de, de la botola marocaine. Pourquoi? Parce que, parce que <laughs> si on voit le jeu, le jeu du Raja, ça aide beaucoup les défenseurs. Oui, il... C'est difficile de se concentrer après. C'est vrai, c'est vrai. Laissez-moi terminer mon raisonnement Laissez-moi terminer un petit peu mon raisonnement on termine. en fait met... c'est le baptiste ça, de ça non non non, 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 non je... pourquoi je dis le meilleur de, de, je de, sais pas du Boto la personne non. ne sait en fait parce qu'il <laughs> met un petit peu cette défense là et on voit le jeu du Raja depuis longtemps c'est un jeu où il, quand ils sont bloqués ils rendent le ballon à Zniti et qu'il y a un jeu long non un jeu de pied qui est supérieur aux autres gardiens de l'autre Boto la mmh. c'est à dire que, que Zniti c'est le joueur qui, qui contrôle le ballon exactement et, et c'est pour ça que Zniti c'est un petit peu le gardien Libéraux, c'est il est dans cette cette défense là quand quand il trouve pas d'espace quand il trouve pas de, ouais, de, mille... de choses Exactement. Exactement. Donc vous comprenez un petit peu ma comparaison ouais, un petit peu, un petit peu. <laughs> ma comparaison. On va dire c'est le favori de la victoire. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut dire un petit mot de de, de... Du... Du... du 11 de départ de de Carteron? Euh... Sincèrement, j'attendais un jour moi. Je pensais le voir débuter ce match. Euh, finalement le choix est bon mais, oui, mais, pour... ouais. mais, mais, mais je sais donc, donc, les... quand l'impression qu'il y a jour des... donc, les quatre ou les cinq de devant depuis depuis le début de saison Maintenant, on je Dima qu'on le pafide, hydrav, yajor, ben Rahimi. Voilà. Un peu, après, un petit peu derrière, tu as exactement. Euh, tu as un C'est la, deux, la deuxième, euh, deuxième option. Moi, Donc, moi, euh, par contre, la titularisation de Lourdi. Exactement. C'est ce que c'est ce que. Lama, tu pouvais dire que Carteron, il est un peu plus prudent, il drôle ni assez ou l'Hadidi, mais C'est très C'est ce chose. que je voulais dire. Bon chose, en fait, la surprise, dire la composition le le 11 titulaire c'est Plutôt Lordi. Lordi, il a fait des, des belles prestations ces derniers matchs, mais tu disais, c'est Tsarji, c'est la finale. Est-ce qu'il va jouer sur l'assurance, c'est-à-dire un, un joueur plus récupérateur contre une équipe ah même, pas, même pas, même pas sur la qualité du joueur, c'est juste sur l'expérience. Oui, voilà. sur l'expérience et aussi sur l'assurance, la, c'est-à-dire un, un joueur plutôt récupérateur euh, et faire jouer Lordi dans ce, ce genre de match contre Tsarji c'est c'est vraiment avoir de c'était une, une et, quand même une petite ouais, surprise ouais. après sur le reste ça, ça reste quand même le 11 type d'ir d'ir hein. non mais le 11 type quand, quand personne n'est blessé tu as les quatre de derrière et le, le gardien on les exactement. connaît ce qui s'est passé c'est qu'on avait tellement de problèmes que bon on a vu Botéib de l'autre côté exactement. on a vu Wolf les remplacer parce qu'il était il était par très par longtemps tête, blessé par qui voilà exactement donc là tu te retrouves avec Shakil à sa place qui est milieu défensif ouais. Tu te retrouves avec devant effectivement les trois qui ont été choisis. Il y a d'autres options. il y a l'option jour. Il y a l'option Diago. Voilà, voilà, qui est qui est qui est un vrai danger. Qui pouvait dépasser Abutrika s'il a marqué un but. Sur les buts. Parce qu'aujourd'hui, la qualité d'Abutricaque en compétition africaine. Bah alors dis-moi, Mehdi, la dernière fois qu'on t'a accueilli dans ce podcast, c'était pour la finale de Kinshasa. Tu es allé voir le match à Dar Sultan. Cette fois, tu n'es pas allé à Düsseldorf. Non, non, non. Je, je, je regrette un peu. Alors, en fait, vendredi, donc on travaillait, donc il fallait, il fallait rester un peu euh, près du, du boulot. Et j'imagine l'ambiance, de Attends, monsieur. Attends, Juste après, monsieur. C'est sûr. Moi, j'ai une question. Comment vous placez ce titre dans, dans la hiérarchie des titres Est-ce que pour vous, c'est parce que euh, qu'on le veuille ou non je, que le veuilleux nom dédicace Amin parce que c'est, sa phrase, mmh. que le <laughs> euh, c'est un titre qui se gagne sur un match. On peut ouais. pas le, peut pas le comparer à, à, un titre de champion de la Coupe de la CAF, de Ligue des Champions, de, de, championnat. Et c'est un titre que vous, que vous placez à quel niveau dans, dans votre émotion de supporter? Bah, sur, sur, le plan continental, c'est le troisième titre. On va non, pas, on va, on, va, on, on, euh, va, on va, pas se, il y a la Ligue des Champions, après il y a, il y a, il y a de la, cave. la CAF, après il y a la, la Super Coupe. va pas se non, vous aller, les arguments qu'il y a, il y a euh, on a le tournoi de la Coupe du Monde, c'est Targé, va la Coupe du Monde des clubs. Bien sûr. Donc, euh, le premier argument, euh, d'un point de vue financier, Flos dit que la Ligue des Champions n'a rien à voir avec la Supercoupe. C'est combien la, la Ligue des Champions Je pense qu'ils sont d'abord à 2 millions de dollars pour le vainqueur. Mm. On est à... ça, fait, ça fait quand même 10 fois. Et je pense que les 200 000 dollars d'Ilad c'était par rapport au fait de jouer à Doha. Donc, euh, s'ils avaient joué à Tunis, je crois que c'était un peu moins. Donc, quand même, ça reste, ça reste la troisième. Après, après, dans l'état actuel de Raja, ça reste, ça reste une très bonne chose. Mais quand même, on va pas, Raja revient de loin. Euh

c'est normal. C'est ma euh, euh, Reda, on avait discuté par rapport à la CAF. La première CAF qu'on a gagnée, tu me l'avais dit en neuf, c'est. On l'a gagné. Euh, ouais, c'était pas une grosse. C'était euh, euh, bravo, bravo, et tu as pris un, un café Aloubi avec. Non, exactement. Voilà, et exactement et tu as pris exactement. un café avec un potasse. C'est passé, passé tranquille. Pas. Euh, exactement, ouais, mais, exactement. Mais, mais comme Di dit on c'était une revient. coupe un peu de consolation parce qu'à l'époque on était branché Ligue des Champions. Exactement. Voilà. Mais là on revient. Il y avait une équipe sympa, je pense, Mame, Abou Cherhoun, Mohamed Karim Saloube. Ils vont la gagner. Exactement. Demain, là on, on revient de très très loin. On gagne une CAF. On fait une saison au niveau de Botola. On va dire très très mitigé, c'est-à-dire que c'est-à-dire euh, que maintenant tu, tu espères pouvoir accrocher la deuxième place. Non non c'est 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 non je je parle même pas d'objectif pour la fin de saison. Je parle de depuis qu'on a gagné la CAF, euh, on a fait des, des matchs et des non matchs. Euh, on s'est fait éliminer à la CAF au, au niveau de, de phase de groupe. Oui, c'est-à-dire que pour le supporter euh, pour le supporter Raja, oui c'est c'est vrai euh, on voyait la situation d'avant, mais, mais comme tout supporter de foot, la mémoire euh, de supporter de foot est très très courte. Bien sûr. Et, et on espère toujours avoir des titres. Aujourd'hui, je pense que le fait de gagner... En fait, c'est... C'est pas le titre de la Supercoupe. c'est le fait de gagner contre Tzaraqi, contre Tzaraqi, il a un petit plaisir. Exactement, c'est un, ce un, un grand de Tunisie, c'est un grand d'Afrique. Qui a gagné le Euh, C'est un club Ils qui n'a qui pas perdu de... le retour, Exactement. le retour, la remontada. La... peur match contre match le, Depuis le match de l'aller contre l'Eli, qu'on sait très très bien comment ça s'est déroulé, et on gagne ce match-là. C'est-à-dire que que ce c'est pas seulement le club, mais ces joueurs-là ont démontré qu'ils ont un niveau qui peuvent le faire. Champions League, c'est 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 en fait ils ont encore se qualifier parce que pour le moment. on est d'accord on est d'accord. Aujourd'hui aujourd'hui la question qu'il faut se poser et c'est la question qu'il faut se poser à ce comité là et à ces joueurs là et je pense qu'ils sont conscients de ça de ça c'est leur objectif c'est ça c'est que l'année prochaine on joue la Champions League et je pense que oui parce que parce que parce que le club a l'effectif, un niveau exactement pour jouer cette compétition là je pense que l'une des raisons que le résultat n'était pas à très régulier, c'est le nombre de matchs, il faut pas faut pas faut pas nier. Ah oui, sur ce nombre de matchs sur ce nombre de matchs mais parce tu aurais pu faire un choix, tu aurais pu euh... Oui, oui, mais c'est c'est pas euh, évident. C'est est-ce que tu peux est-ce que toi c'est pas demain, très c'est pas très simple de faire le choix. Est-ce que demain dois, mon demain mon... toi comme dirigeant du Raja, hein, ou comme euh, comme coach ou comme joueur, tu peux sortir et dire bon, je laisse tomber cette compétition et je vais jouer celle-là, celle-là. Moi, dirigeant du Raja ah, j'envoie les j'envoie l'équipe B moi sûr, au match c'est simple au match d'avant les poules le, si gagne, tant mieux. Si perd, je mieux Je pense qu'on était, qu était plusieurs supporters à dire moi que la CAF parlé, on en s'en fout. J'ai parlé avec beaucoup d'amis, même 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 des membres du comité. Moi, pour moi, il fallait lâcher la la, la, la CAF. Il fallait lâcher. Mais mais avant les mais, poules. Mais mais il est pas Matlou le kafir, Ouais, bien sûr. Exactement. Mais mais pour moi, il fallait lâcher la CAF. Mais mais c'est ça, Mehdi, c'est que encore on a joué une CAF marocaine. Exactement. on a joué une CAF tunisienne. je voyais je voyais pas mal je voyais pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux par rapport à la la CAF, quand il y a eu le tirage au sort, de dire Bon, la CAF, on a gagné la CAF l'année dernière, cette année on va la laisser tomber et on va jouer sur le bouton-là et la comparable. Et après, la comparable. La voilà. oh, Bravo j ai, j ai, Ah oui <laughs> il, il a fait cette phrase rien que pour penser. Ah, oui. <laughs> Exactement. Et en fait, euh, quand on a perdu des matchs ou on a fait des matchs nuls, on voyait la réaction des gens qui voulaient pas. En fait, on voulait se qualifier. Et, et c'est ça le problème. c'est devait le de lâcher. Ah. On devait le de lâcher. Moi, moi je. Je, je, me pose à la position de, 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 de coach ou, ou, bien ces dirigeants-là, et je me dis, comment tu peux dire comme un club comme le Raja de dire, non, je laisse tomber cette compétition et je vais jouer celle-là et celle-là. Bah, dites-moi ce, ce que, vous que vous en pensez. Chargis, ah non, non, pense... ils ont fait un choix. Il y en a Chargis qui en la même situation de Raja, c'est-à-dire. Ce sont deux clubs qui la campagne africaine oui. oui. Et de de Champions League. la le programme de la Coupe oui. africaine Il faut rattraper... Exactement. Euh, ils ont de commencé de Homa, Ils ont lâché la Coupe arabe. Mais Mehdi, mais, mais tu sais très très bien Ils que ont lâché, je crois qu'ils ont même joué un match avec la, 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 la Non, des mais Mehdi, tu ont sais très très bien que nous, la copara avons' l'a joué pour des questions financières. Mais, question sûr, financière. mais par pas contre, pour on... la valeur Là, de la compétition. Ils ont lâché la coppara parce qu'ils peuvent pas lâcher la Ligue des Champions ah, africaine. mais, Nous, on, joué, ah, on, on l'a joué, c'est pas par rapport à la valeur de la compétition, c'est par rapport à la valeur de la partie financière. Oui, ils peuvent se permettre ça. Très bien, donc c'est une question d'argent. Merci les amis. Dis-moi Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter je, je crois que le club a fait une, 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 une... déjà a fait une très bonne saison par rapport euh, par rapport aux Amas d'Exilib Dynamo, mais euh, je crois que que si on veut terminer de la saison de la très bonne manière, accrochez-vous avec des champions. Minimum la deuxième place. Merci les amis. Euh, moi j'ai quelque chose à rajouter. Je voudrais avoir une petite pensée pour Rachid le ah premier non, là, titre oui. depuis sa disparition. C'est un bonhomme euh, qu'on aurait bien voulu faire parler euh, à ce genre d'occasion et qui nous manque beaucoup. Merci les amis et on se retrouve pour un prochain podcast de Radio Maïlif.